Bonjour monsieur le shérif, excusez-moi. Madame, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci à vous. Ça va, on vient faire un petit tour, voir comment ça se passe chez vous, si depuis que vous avez repris le travail, rien d'anormal s'est passé du côté de Pyrgos. Bonjour. Non, rien à déclarer pour l'instant. Ah, parce que bon, a priori, Bonjour selon monsieur. certains Bonjour. civils, on rapporterait que c'est un peu le bazar, soi-disant, à Pyrgos, et que même vous vous seriez embêté, c'était pour voir ça correspondrait bien avec les rumeurs. Ah ben moi je sais du tout. Après c'est mon PDG, il y est plus souvent. Si vous voulez, je peux vous l'appeler, savoir si lui en aurait pas entendu. Eh bien écoutez, on serait très enchanté que vous appeliez votre PDG de ce pas. C'est gentil de votre collaboration, Madame comment d'ailleurs? Madame Anna Hastings. Ah pardon, excusez-moi, j'ai pas bien entendu. Madame comment? Anna Hastings. Anna Hastings. Hastings, c'est comme dans... Il y avait une série télé, c'était La petite maison dans la prairie, non? Non, 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 c'est Pretty Little Liars. Ah, excusez-moi, il faut que je regarde sur YouTube, je sais pas ce que c'est. Ah bah non plus, je t'avoue. Non, mais les Hastings, c'était bien la maison, la petite maison dans la prairie, hein. Ah, bah peut-être. En tout cas, vous avez bien Pas grandi depuis que vous les dévaliez Lakers. la pente en courant avec les petites couettes. Sans doute, oui, alors. Je savais pas, mais ok. Ah bah, je vous invite fortement à regarder, hein. Vous allez pouvoir trouver ce petit côté humoristique très très marrant. D'accord. On repassera faire un petit contrôle série télévisée dans 1 ou 2 heures. D'accord? Et c'est quoi votre fonction ici, madame? Comment ça? Ben... Au sein de l'entreprise? Oui, voilà. Ah, Qu'est-ce que... moi je Au sein de suis Sushi Time. employé, ça D'accord. c'est. C'est quoi votre rôle? Regardez, nous, on est shérif, on contrôle, on fait respecter la loi, Ah bah on... moi j'envoie les intérimaires au poisson, enfin le PDG quoi. Le PDG, vous envoyez le Ici PDG au la poisson? Alpha, véhicule On flash 1, ressourcera direction aux ressources 79, humaines à route peu du près. On a terminal. juste... C'est quoi? Ok, non, c'est bon. Ah bah écoutez, tant mieux. En plus, c'est bien, vous faites travailler un peu les habitants de l'île, donc je trouve ça vraiment sympathique. Parce que bon, quand ils ont pas de travail, bah écoutez, forcément, ça tombe ça à des délinquances. Après, forcément, bah nous, Ah, c'est on doit s'en occuper après, quoi. Donc, je suis très content. ça, tant mieux qu'ils aillent pas de l'autre côté, on va Oui. dire. Faut jamais franchir la barrière très fine mais tellement saugrenue entre le côté obscur de la force et le côté clair de la force, si vous voyez ce que je veux dire. C'est ça, c'est ça. D'accord. Et sachez qu'au niveau du gouvernement, si vous voulez demander la mise en place d'infrastructures, il y a des conseils d'État qui sont normalement régulièrement effectués. Et vous avez un sénateur entreprise représenté par le directeur d'affaires génie, je crois. D'accord, pas de Donc soucis. n'hésitez pas à lui référer s'il y a des choses que des infrastructures que vous D'Alpha approche, aimeriez procède à un que discount. le gouvernement mette en place dans votre secteur. Bah moi franchement je sais pas du tout. Après comme je vous ai dit, enfin c'est mon PDG tout ça après. D'accord. Deux Oscars reçus faibles et non clairs. Après si vous voulez que je vous l'appelle pour en discuter un petit peu, c'est comme vous voulez. Après, si là vous êtes, je suppose que vous devez être en plein travail là depuis que vous avez repris. Oui, mais ça va, on n'est pas débordé non plus, donc ça va. D'accord. D'accord, bah justement, maintenant que vous en parlez, est-ce que vous pouvez garer un peu mieux votre voiture? Parce que je trouve qu'il n'est pas très bien garé pour une voiture de ce prestige, ce serait un peu dommage que les buissons ils abîment un peu la carrosserie, je trouve. Oui. Regardez, madame. Ah oui, c'est vrai qu'elle touche légèrement. Moi, Elle a reculé. moi, je trouve que pour quelqu'un qui a autant d'argent, ce serait quand même dommage d'aller voir un monsieur Daron l'arnaque pour faire une peinture. Ah, Ouais. j'en ai pas autant. Et c'est un peu mieux, mais c'est pas non plus excellent au niveau de la conduite, au niveau du stationnement. Bon, ça va là, il n'y a pas de vraiment de place, on va dire. Enfin, il n'y a pas les. Il n'y a pas vraiment de place? Non, mais pas niveau Pardon? ça. Je vois pas Genre, ce c'est que pas vous dites. comme devant les places de parking, quoi. Il n'y a pas les traits, quoi. D'accord. C'est pas droit, c'est Il pas a un grave, peu je suis la tatillon seule sur le garée, donc. stationnement, Je l'officier. peux me permettre une petite question? Oui. C'est vous là? Où ça, non? Me poser la question. C'est la salle Excusez-moi. QG, là? Bah oui.
Non. Donc ça c'est vos Non. combats. Et ça c'est vous dans votre jardin, un doux soleil d'été, c'est ça? Quand le soleil Ouais, c'est caresse ça, votre peau. exactement, voilà. D'accord. Ok, très bien, parfait. Bon bah j'ai la réponse. En tout cas, je suis fan des statues. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, chef adjoint? Ah, sans bien scuter, effectivement. Autant pour moi. Oh punaise. En tout cas, faites attention, je vois qu'il y a beaucoup de serpents dans votre cour. Hein. Faites attention à vous. Hein. Y a pas de soucis. Problème. Allez, on vous laisse tranquille. Faites attention au stationnement. Hein. Et n'hésitez pas à courir pour la statue si vous êtes un peu gêné. Hein. Parce que c'est vrai que moi, personnellement, je trouve ça très contemporain comme art, mais très. Comment dire? Comment on pourrait dire? Ah, j'ai hâte de voir Bowman ce soir. Allez, on y va. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée à Au vous. revoir. Au revoir. Je ne répondrai plus jamais à ce genre de truc. Oh putain. J'ai tout fait. Ah putain, je crois que ça vaut un coup de générique quand même. Ah, oui, alors il était où? Il était. As the eyes of the ranger are upon you, any wrong you do, he's gonna see. Faut qu'on passe à côté de Marcus. Texas, look behind you. Guide-moi, il est où? Il est à Agios. De Oscar que 4 tours en patrouille. Oh merde. Dès que les sommations ont été faites, c'est que tu sais qu'on arrive au moment juste avant qu'on débarque du Vic. Oh. Hop 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 Bonjour. hop MC, hop 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 bonjour. hop 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 Allô, hop 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 bonjour. hop 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 On Alors, va se qu'est-ce mettre que sur le vous bas avez fait? côté de la route. Pop hop 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 Ah, hop j'ai oublié hop mes hop hop quêtes. hop hop Pop, ok. hop 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 C'est quoi cette conduite? Pop hop 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 Pop, hop hop pop, hop pop, hop pop, hop pop, hop pop, hop hop pop, hop pop, hop pop, hop pop, hop pop, hop 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 voilà. Voilà. Allez, mettez-vous sur ma Putain. côté, monsieur. Allez. Je suis désolé là, je l'accélérais un petit peu folle de suite, elle est partie en travers là. Bah, c'est tout ce que j'ai toujours dit. Hein. Les auto-écoles ici donnent vraiment des permis de conduire à n'importe qui, quand même. Hein. Ouais, c'est En parlant ça, de c'est n'importe ça. qui, monsieur, j'aurais besoin de votre permis de conduire, s'il vous plaît. Oh ouais, mais... Hop, Non, c'est voilà, pop, pop, monsieur. pop, 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 pop. Vous Ah avez oui, même le pop, permis pop, pop, avion. pop. Eh bah, dites donc, j'espère que vous ne conduisez pas comme ça en avion. Hein. Ah non, 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 généralement, je regarde plus le sol, vous voyez, j'ai la tête à Bonjour à l'envers. tous, 10-7 Et le permis de officiers, je bateau, c'est descends vous à qui avez bord fait la d'affection. dernière marée noire la dernière fois, là, dans le lac? Escape de Oscar, faites attention à Non, non, bravo, je n'ai unité pas fait de standard, marée noire, vous me terminé. dites ça pourquoi? Parce que je suis noir, là? À 10-4, je Voilà, tout de m'équipe et suite je le vous patrouille. racisme. Tout de Ah suite non, le hein? racisme. Et on Une entend bien marée la noire, voiture, là, qui vient de c'est. décoller, là? Allez, hop, 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 quelle Ouais, voiture? je sais pas, il y a une voiture noire là, elle vient de passer là en klaxonnant là, elle a décollé là. Ouais, mais bon, là, Elle a c'est dû vous qu'on passer a sur la vu, là. dodane un peu fort là. Vous, vous avez pris un petit peu sur le fait, en plus, donc bon. Si, je comprends, ouais, je comprends. Puis on a peut-être pas les mêmes moyens C'est aussi qui, de ce payer à la monsieur? main. Alors, monsieur, moi, j'ai deux possibilités pour vous, aujourd'hui. La Ouais. première et la deuxième. Alpha, reprise de La patrouille, on première, scat. bah, t'es Dites-moi de con, suite la zone. contravention. Ouais. La deuxième, Contravention pourquoi? Pas pour conduite dangereuse. Ouais. Et la La deuxième, deuxième? c'est un cours pédagogique de comment bien conduire. Allez, je suis preneur, je vais prendre la deuxième option alors. Deuxième option? Ok. La Alors, deuxième option. je vous invite à monter en passager dans votre véhicule. Oui? Et je vais mettre T'es en sûr? conducteur. J'ai hâte de voir ça, monsieur. A priori, le mec se serait croûté au traitement, selon les suspicions de l'EMS. Donc, je vous indique où est le traitement, ouvrez votre carte. Cette zone-là. Yes. Ok. Ok. Cette zone-là, donc attention à la colline 89 et tout ça, a priori ce serait dans l'église.
Donc ce serait par là. Donc on y va, on va se mettre en place à Agios Petros. Enfin, on essaie de quadriller la zone autour de ce point. Et dès que l'ambulance dégage, on intervient. Après. Ah d'accord. Équipez-vous, mettez-vous en auto. Il y a Ça peut l'officier faire le Bradford tous. qui est là. Hein. Moi je pars, je peux pas rester. Ouais, ça marche. On sera trois, ce sera parfait. Le mec est tout seul. Donc là, Faites il est gaffe, il y sur a Bradford qui est traitement. là. Ok. Il faut qu'il se Parfait. dépêche à venir quoi. Ouais, il entend prendre la voiture. Véhicule noir qui arrive sur la route, à votre gauche. Attention. Oscar, on vient de croiser le mec, on vient de le croiser. Rue du shérif, mettez-vous sur le bas-côté. Je me gare. Laissez-le se garer, messieurs. Bonjour. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Bonjour monsieur. Ouais, bonjour. Venez un peu plus par ici pour votre sécurité quand même. Qu'est-ce que vous faites de Bien vous sûr. Ben, je viens d'arriver et je cherche du travail. D'accord. Qu'est-ce que vous avez dans votre camion monsieur? Bah, y a rien. Rien? J'allais voir si la ferme était ouverte. Ouais. Hier, j'ai travaillé pour eux, j'aime bien, mais voilà. Hein. Je suis D'accord. arrivé ce matin, enfin hier soir du coup. Ouais, Oscar, le véhicule de votre correspondant descriptif Vous qui a été pouvez donné. m'ouvrir le camion que ça vous dérange Bah, que je vérifie le chargement ou il est pas? ouvert, de toute façon, il est ouvert. Ok. Logiquement. Ah, je vous laisse préparer vos pièces d'identité et permis de conduire une fois que je Ouais, bien revienne. sûr, ils sont dans mon sac, je crois. Hop. Monsieur? Oui? Vous foutez de moi un peu là, non? Pour quelle raison? Vous avez pas vu ce qu'il y avait dans votre camion là? Venez Bah voir. non, Venez j'ai voir. avec vous. Venez voir. Regardez dans le camion ce Relevez qu'il les y a. matriculations du camion au passage. C'est pas de la Et farine prenez des ça? photos. Ça c'est pas de la farine? Bah oui, on m'a Les dit bras rouges, de je ramener de la valide. farine. Ah bah écoutez, ça sent pas comme la farine, hein. Ça c'est sûr et certain, hein. Bah, je connais pas trop l'odeur, mais ouais, si vous le dites. Vous reconnaissez pas un peu l'odeur un peu d'hydrocarbure qu'il y a dedans? Non. Ah Ça a parce quelle odeur, que... hydrocarbure? Ah, y a un peu de l'essence quoi. Parce Ah. que là, ce que vous avez dans votre camion, monsieur, c'est typiquement de la cocaïne. Hein. J'étais pas au courant, moi. On m'a dit de faire de la Bah, farine. si vous n'étiez pas au courant, monsieur, je tiens à vous signaler que quand même vous êtes... C'est votre camion? Oui, c'est le mien, c'est le mien. Hop, présentez-moi votre permis de conduire et votre carte d'identité, s'il vous plaît. Je vous donne ça tout de suite. Mon permis et ma pièce d'identité. Prends des photos pour monter le dossier. C'était C'est pas ce que je devais hyper faire. Attends, hop. Regardez à qui appartient le véhicule. Hop, donc c'est bien votre véhicule. Qu'est-ce qui a chargé votre Ouais. camion, monsieur? C'est vous ou c'est quelqu'un d'autre? Bah non, c'est un monsieur, il m'a dit qu'il s'appelait Le Fou. Ouais. Ah, 10-4, ça c'est bon pour le rapport, ça. D'accord. Ce sera un monsieur le fou qui a chargé votre camion, c'est ça? Oui, affirmatif. Bon, je vais pas vous mentir, monsieur, là vous risquez quand même des sacrés poursuites judiciaires quand même, parce que là ce que vous avez dans votre camion, et en plus il y en a pas deux ou trois, hein, et là vous avez Mais quand non, même un sacré je. stock. Là Ah vous ouais, avez 292, hein. moi j'ai de remplir mon camion, monsieur. Je Ah suis arrivé hier soir, moi j'étais pas au courant. Enfin, je connais pas trop. voilà. Ouais, bon, bah écoutez, on va éclaircir un peu tout ça au poste. Je vais Ok, vous pas de laisser souci. mettre les mains sur la tête. Oui. Hop. C'est compliqué. Bon.
Avez-vous notifié ses droits à ce monsieur? C'est en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous devant une cour de justice. Vous avez le droit à un avocat. Durant chaque interrogatoire, vous pourrez décider à n'importe quel moment d'exercer ces droits, de ne répondre à aucune question ou de ne faire aucune déposition. Vous avez le droit d'être examiné par un médecin. Avez-vous bien compris ces droits? Oui, j'ai bien compris mes droits, monsieur. Très bien. Alors, c'est pas comme ça qu'il faut faire, monsieur. Il faut que vous fassiez, excusez-moi, c'est un peu délicat. Vous fassiez, vous pensez fortement à vos, okay, vos actions. Ouais, je pense, ouais. Ok. Hop. Hop. Non. Alors, c'est pas. Vous avez fait vos muscles shift, je sais pas quoi, c'est ça? Non. Ah, bah écoutez, j'ai pas réussi. Je me rends, quoi. Ouais, et là, c'est vous faites votre muscle window, officier. Ah oui, d'accord, ok. Autant pour moi. Hein. Non, pas de soucis, monsieur. Fais pas. Attention. J'ai pas trop l'habitude de me faire arrêter. Oscar, waouh. Oscar, écoute. Je lève le dispositif. Hatscap commence à remballer. Hop. Je vais vous escorter jusqu'à mon véhicule. MRSP. MRSP, officier, repos. Bon, excusez-moi, mais j'ai essayé d'envoyer les messages. Oui, c'est parce que c'est parce qu'on a changé la radio en cours de route, elle a été corrompue. Fallait ah. J'ai oublié de faire une diffusion, vous pouvez en prendre votre service. Ne vous en faites pas, ça va être réglé. Ce que vous faites là, c'est que votre véhicule que vous avez pris, vous allez prendre le soin de le verrouiller. Vous allez ramener ce véhicule là, c'est la prise du jour. Je vous laisse, on vous fera montrer. Ok, vous pouvez m'envoyer un message avec la radio, s'il vous plaît? Ouais, bien sûr. As the eyes of the ranger are upon you, any wrong you do, he's gonna see. T'as pas de goût, c'est des sourds. You're in Texas, look behind you. Alpha pour Oscar, départ convoi direction. Ah, 10-4 de Oscar, on laisse un véhicule ici en attendant. Et on ramène le véhicule du suspect au poste. Ah, des boîtes fortes, je suis sur la radio. De Oscar, je score d'Alpha. Oscar pour Bravo, recoller sur le camion s'il vous plaît. Ah, Discord. J'ai un range noir derrière moi. Comment vous êtes sorti dans. Comment vous êtes rentré dans ce genre de galère, monsieur là? Parce que là, ça m'intéresse quand même. Hein, c'est... Bah, en fait, juste tout à l'heure, j'ai croisé deux personnes qui sont arrêtées. Ouais. Et ils sont présentés à moi comme le fou et. Et Jackpot. Ouais. Ils m'ont proposé de venir à un point, de remplir mon camion et de les retrouver à Tira. D'accord. Est-ce qu'ils vous ont donné un numéro de téléphone pour les contacter? Pas du tout. Je leur ai demandé, ils m'ont dit non, pour l'instant on fait pas assez confiance. Ouais. J'ai trouvé ça un peu chelou, mais bon, je viens d'arriver donc j'ai besoin d'argent, j'ai accepté. Peut-être que j'aurais pas dû, je pense. Alors, pour votre gouverne, monsieur, il y a la ferme de génie qui paye très bien et vous avez pas de risque. Je sais, j'ai travaillé pour hier soir, mais là, ils étaient pas ouverts. Et... Voilà, quand même. Hein, je pense à vous, hein, votre futur et compagnie. Ce serait quand même un peu délicat que vous passiez, je sais pas combien d'années, dans prison. Vous avez de la famille, monsieur? Ouais, beaucoup. Et vous avez quoi, femme, enfant? Vous en avez combien? J'ai trois frères ici, j'ai une femme et des enfants aussi. Ah, pensez un peu à eux, quand même. Hein. Bah ouais, mais je pensais pas que c'était illégal ce que je faisais. Ouais, quand même. Refusé. Ouais. Après, si vous avez un doute sur la légalité de la chose, dites-vous simplement que à partir du moment où la personne vous paye plus que la ferme génie ou c'est un peu litigieux, et ben, au pire, vous nous appelez, hein, nous on confirmera ça, parce que là, on vous a pris sur le fait, ça va bien. Je...
Après, j'avoue que bon, ça paraissait un peu douteux, mais j'ai pas plus poussé la chose que ça, quoi. De bravo, aussi dans mon cul. Bah, dis 4, le portail est ouvert, passez par le côté EMF. Je suis responsable de ma bêtise, hein. Ah bah oui, ça c'est sûr, mais bon. Moi, ça m'embête quand même de... Vous m'avez l'air d'être quelqu'un de très raisonné et raisonnable, donc ça m'embête de vous mettre dans cette situation-là, quoi. Ah bah c'est sûr que la prochaine fois, je travaillerai plus pour eux, quoi. Bah j'espère. Jamais même. Et vos frères, ils sont pas dans le même business que vous quand même, j'espère. Non, non, non. Travaillez dans quoi, vos frères? Bah là, mes frères, actuellement, ils font dodo. Et sinon, bah, hier, on a travaillé à la ferme. Ah, c'est quand même beaucoup plus gratifiant de travailler pour quelque chose que vous savez que ça non, c'est sûr. Participe c'est sûr, c'est sûr. Aussi un peu au bonheur de tout le monde. Hein. C'est vrai. Bon. L'avantage, c'est que vous avez été très coopératif. Donc là, forcément, on va en tenir compte. Alors par contre effectivement au niveau de tous les parce que là c'est un de bravo je ramène l'officier récupérer son véhicule là c'est quand même de, on, des on effectue grave, hein, la saisie non, la saisie des marchandises hein. Alors alors, je vous explique. Donc là, vous êtes arrêté, notamment par rapport à l'article 6.12 du Code pénal. Donc, je vous lis, hein, le trafic de stupéfiants et ou produits légaux, entre guillemets, plus de 250 pochons, est prohibé et entraîne une peine maximale de 2 millions. 40 minutes de prison ou une saisie des marchandises et du véhicule. Ah, ouais, ça fait beaucoup quand même, là. Ah, c'est ça qui m'embête un petit peu chez vous, quoi. 2 millions, j'ai pas. Ça va être compliqué. Et, ouais. Ouais. Saisie du camion et tout. Aïe. Ça fait mal aussi, quoi. Alpha pour Oscar. Oscar, écoute. Alors, j'ai signifié à la personne donc l'article 6.12 du code pénal qui est en frein. Monsieur déclare qu'au niveau de ses finances, c'est compliqué. Donc je voulais avoir avis superviseur pour la conduite à tenir par rapport à ça. À 10-4, moi je prenais en photo les pièces à conviction, je vais venir interroger monsieur. Ok, bien prêt à la fin d'attente. Ok, il y a mon shérif adjoint qui va venir pour quitter l'interrogatoire et voir comment il pourrait faire par rapport à vous. Parce que malheureusement, je suis pas décisionnaire pour ce cas de figure, notamment au niveau des remises de peine ou de l'arrangement. Comprends, donc, il arrive. Et là, c'est vrai que 2 millions d'amendes, ça va être pas mal compliqué, quoi. Vous avez combien, approximativement? Je dois avoir 700 000. Ouf! Et vous avez fait toute la soirée hier à la ferme Génie? Vous avez acheté une belle voiture? Hier, j'ai fait deux trajets. Au début, j'avais pas de permis poids lourd. Ouais. Donc, j'ai travaillé en petit véhicule, faire du sucre. Je suis parti acheter mon permis poids lourd, j'ai acheté un camion. J'ai travaillé deux trajets, et là, aujourd'hui, je suis arrivé. D'accord. Attendez, juste une petite seconde. Pas de soucis. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Je me présente, matricule 1111, shérif adjoint du bureau du shérif du comté d'Altis. Bon, on va pas passer par quatre chemins. Là, vous avez fait quand même quelque chose de gros, 292 unités de
De cocaïne dans votre chargement quand même, faut savoir que. Donc rappelez-moi le l'article officier. Plus de 250. Normalement c'est. Je crois qu'il s'est absenté 2 secondes. 6.12 chef. 6.12. Ouais, donc effectivement, ouais, c'est plutôt gros hein, ce que vous restez. Okay. Ah, donc là, je vous cache pas que votre véhicule va faire l'objet en plus d'une destruction. Là. Et après, entre guillemets, on Après. a été assez gentil avec vous parce que là, c'est quand même une association de malfaiteurs. Parce que du coup, si vous avez travaillé en concert avec un dénommé Monsieur Le Fou et Monsieur, comment vous avez dit le deuxième nom? Jackpot. Monsieur Jackpot. Monsieur Donc, Jackpot. ouais. Donc, Depuis quand vous association de travaillez malfaiteurs. avec lui comme ça? Bah, c'est la première fois, j'ai croisé tout à l'heure. Bah, je crois que j'ai même croisé un véhicule de shérif, on s'est arrêté au bord de la route. Attendez Ils deux m'ont secondes, pas. je vais répondre à cet appel. Ok, pas de soucis. Bureau du shérif, quelle est la nature de votre urgence? Comme je disais, monsieur, hein, en fait, là, si on poussait un peu le vice jusqu'au bout, on pourrait également compléter avec Non, l'association bien sûr. malfaiteur. Là, c'est 1 million supplémentaire. Hein. Je comprends, je comprends. De toute façon, j'assume mes bêtises, hein, même si j'aurais dû vérifier, c'est de ma faute. Je vais aller travailler Pas de 11-11 la à ferme, hein, je l'entrepôt pense. côté de Luxure, a priori, il y aurait des hommes armés là-bas. Il faudrait une ou deux patrouilles pour partir faire un tour là-bas. Ah, discrètement. Hommes armés et cagoulés, prenez garde. Hop, excusez-moi. Je vais faire un interrogatoire, chef, je suis allé. Je vais Ah, vérifier. allez-y. Alors. Oh, monsieur était très C'est qui gentil, ce... très coopératif. C'est qui ce monsieur?
Là, on a ça, c'est-à-dire qu'on a très peu de temps. Donc, ce qu'il y a, c'est que j'ai le